de Tallem. Et salut à toutes et salut à tous, c'est XTatoLong, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais continuer ma série de présentation des factions de Total War Warhammer. Alors j'ai déjà présenté l'Empire, je vous invite à aller la voir parce que je me suis plus attardé sur des détails du jeu que là j'irai beaucoup plus vite sur ces détails. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la faction des Nains, qui est une ancienne faction qui était prospère avant, elle avait un empire. Mais elle a été frappée par plusieurs séismes et surtout des invasions d'orques, c'est-à-dire de peaux vertes, qui l'ont complètement affaiblie. Aujourd'hui, ils veulent retrouver leur empire et puis leur prospérité d'antan. Alors, voici les meilleures unités des nains. Il y a les gyro-bombardiers, qui est une machine de guerre volante. Il y a les tueurs, qui sont des infanteries à la hache. Et il y a les infanteries à lance-flammes. Alors les nains, faut savoir, c'est des unités qui maîtrisent à merveille les technologies. Du coup, ils peuvent avoir ils ont des technologies plus avancées que les autres factions. Alors dans la faction des nains, vous possédez bien sûr deux chefs de faction. Il y a Thorgrim le Rancunier, qui est bien sûr le grand chef de la faction, le haut roi comme on pourrait dire, ou le roi sous la montagne comme dans le Hobbit. Alors c'est un puissant combattant de mêlée et chef aussi. Alors sous sa jute, les coûts de construction, c'est-à-dire des bâtiments militaires, sont moins 10% moins cher, c'est-à-dire sont moins 10% moins plus cher, plus moins 10% moins cher, voilà. Et l'entretien des unités longue barbe et marteliers sont moins 10% moins cher, voilà. Le Thorgrim, le rancunier, possède plus ces unités là de départ en plus de celles par défaut, c'est à dire une catapulte des rancunes, un arbalétrier, des arbalétriers et des marteliers. Alors après il y a l'autre chef de faction, Ugrim Point de Fer. Moi je préfère jouer avec lui. Alors c'est un puissant combattant en mêlée. Sous sa jute, le coût de recrutement des tueurs est de moins 25%. Et l'entretien des tueurs est de moins 50%. Moins 50%, voilà. Alors il commence avec des infanteries lance-projectiles, c'est-à-dire des arquebusiers. Il commence avec des tueurs qui sont l'une des meilleures unités des nains d'infanterie à la hache. Et les longues barbes qui sont des unités d'infanterie à la hache. Alors on va tout de suite commencer avec Thorgrim et on se retrouve sur la carte de campagne. Alors on se retrouve sur la carte de campagne où je vais vous dire un peu les factions qu'il y a autour de notre territoire, c'est-à-dire la montagne qui est tout ici. Alors on a une ville, une grande ville fortifiée. Alors tout simplement à côté de chez nous il y a des peaux vertes, des orques qui sont les lances sanglantes, c'est leur tribu. Après il y a aussi à côté de nous des nains, où on pourra s'en faire nos alliés ou fonder un empire avec eux. Ce sont les Barakvar. Et il y a aussi des humains par ici, puis qui ne seront pas forcément une menace, on pourrait faire du commerce avec eux, qui sont la principauté frontalière. Bon, à mon avis c'est les humains qui marquent la frontière entre le monde des nains et le monde des humains, on va dire, et aussi le monde des orques. Alors vous voyez, on a beaucoup de tribus orques autour de nous qui seront prêts à nous attaquer. Car les nains et puis les orques ne s'aiment pas beaucoup. Même pas du tout. Bon, alors je vais tout de suite vous faire voir la ville. Alors voici la ville. Les bâtiments il y a toujours notre petit code couleur des bâtiments, c'est-à-dire rouge pour les bâtiments militaires.
violet pour les bâtiments d'amélioration et d'amélioration des unités et de recrutement de héros. Et les infrastructures bien sûr de commerce ou commerce ou civil, on va dire civil. Alors on va améliorer ça et ça. On va faire recruter quelques unités à notre grand général. Faut savoir que sur les unités des nains, il n'y a aucun magicien. C'est-à-dire que les nains ne feront aucune magie. Il y aura presque que des unités de mêlée ou de lance-projectiles chez eux. Il n'y aura ni gros monstres ou choses comme ça. Alors, par contre, les nains possèdent des unités militaires de très petite taille. C'est-à-dire que là, par exemple, nous avons 75 hommes. Et puis, sur des unités, par exemple, humaines, nous en avons 100 ou 120 parfois. C'est vrai que nous n'en avons pas beaucoup par rapport aux autres factions. Mais nos unités sont très durables, solides. C'est-à-dire qu'ils ont on va dire des grosses armures, ce qui leur permet de résister mieux en défense qu'en attaque. Et ils ont un solide commandement, c'est-à-dire qu'ils ne fuiront jamais devant l'ennemi, sauf si l'ennemi est vraiment important, on va dire, et vraiment puissant. Et les artilleries, l'artillerie qu'on a une très 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 bonne portée. C'est-à-dire qu'elle tirera plus loin que les autres. Alors les nains n'ont aussi pas de cavalerie. Et puis ben je pense que c'est tout au niveau des unités militaires. Vous ne verrez jamais des nains sur des loups ou même des phacochères. Alors nous allons tout de suite recruter un peu d'unités. J'avais déjà expliqué ce que c'était le système de recrutement. Alors on va pas en recruter trop. Voilà. On va recruter ça. Et on va passer notre tour. Technologie de recherche. Ah oui. Faut que je vous explique. Merci le jeu de m'avoir rappelé. Alors au niveau des recherches, des technologies, de l'arbre des recherches des nains, il y a deux grandes branches que vous pouvez voir. La tradition des guildes et la façon des clans. Alors, la façon des clans mène vers toutes les options, on va dire, militaires, et la tradition des guildes mène sur toutes les options, on va dire, civiles. Puis là, l'avantage, c'est que souvent les améliorations des nains sont très. Les technologies des nains sont très faciles à faire, et ils vont très très vite. C'est-à-dire que la faction peut sans cesse évoluer et puis devenir de plus en plus forte, contrairement à l'Empire où il faut faire des bâtiments pour pouvoir faire des recherches. Là, il n'y a pas besoin de bâtiments, vous pouvez les faire comme ça vos recherches. Et ils ont des recherches qui sont très équilibrées au niveau civil. Et au niveau militaire, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ah oui, faut que je choisisse une recherche. Bon, on va commencer par celle-là. Allez, hop. Bon, voilà, je passe mon tour. Après, je vais vous expliquer la mécanique de la faction, la mécanique de jeu de la faction. Alors, les nains peuvent que capturer des territoires nains ou orques, mais vous capturerez plus de territoires orques que nains. C'est vrai parce que les territoires, les nains ne s'attaquent pas entre eux. Ça me paraît logique puisque déjà ils sont en sous-effectif face aux orques. S'ils se battaient encore en plus eux contre eux, ça serait pas très loyal, on va dire. Ça serait un peu con. Alors, les nains possèdent le livre des rancunes. Alors, le livre des rancunes, c'est toutes les offenses qu'ont pu vous faire les orques ou les morts-vivants sont marquées dans le livre des rancunes.
C'est-à-dire que, imaginons, un orc tue un de mes commandants, ça sera marqué dans le livre des rancunes et je devrais aller tuer cet orc. Alors les nains possèdent peuvent utiliser, on va dire, les souterrains pour voyager plus vite dans les montagnes. C'est-à-dire que, pour, imaginons, je suis là, je veux aller ici. Ben, ça ira plus vite que faire tout le tour comme ça et puis aller attaquer la ville. Et puis ben les nains ont surtout une forte économie et de fortes options commerciales, c'est-à-dire que au niveau de l'économie ils auront plus de bâtiments que les autres factions. Et ils auront plus de facilité à faire du commerce avec les autres factions. Qu'ils soient humains ou nains. Je suis après les morts-vivants, voilà, c'est autre chose. Et puis les orques, je crois qu'ils ne peuvent pas faire de commerce. Ils sont trop bêtes. Bon, alors, on va tout de suite attaquer cette unité ici, là. No grudge-bearer would do this. Send me to vengeance. Voilà. Pour un peu vous montrer comment se jouent les nains. Après nous en finirons avec cette vidéo. Alors voilà, on va tout de suite déployer nos unités. Alors on va utiliser une technique très simple, c'est-à-dire qu'on va mettre les catapultes ici. Attends, un peu plus là. Hop, on va les décaler là. En fait, faut que les... Voilà, ils soient pile dans l'axe. C'est-à-dire que là, je vais les attendre là. Je vais laisser tirer mes catapultes. Et puis, ben, ça fera déjà éliminer la plupart des orques qui veulent nous tuer. Hop, on va mettre l'unité ici pour protéger les catapultes. On va mettre... des unités. Bon tiens, on va garder cette formation là. En plus de, on va mettre une unité en plus qui pourront protéger les flancs de la catapulte, on va dire, qui sont ici. Est-ce que je pourrais, ah ouais, bah attendez, ouais non, je pense que ça servira à rien de faire une embuscade. J'aurais bien aimé faire une embuscade, par exemple ceux-là là, ils pourront aller ici par exemple, ils arrivent là. Eux ils iront là pendant que eux ils combattront. Bon voilà quoi. C'est une idée mais on pourra pas le faire. Hop. On va les mettre en formation regroupée. C'est-à-dire que voilà quoi, on peut faire des petits regroupements de formation. Hop. On va les mettre plus comme ça, voilà. Alors eux ils les attendront ici là. Et puis bah voilà quoi, ils tireront. Et puis après, dès qu'ils seront arrivés à portée, je renferrerai mes nains à la hache chargée. Voilà, on va commencer la bataille. Voilà, les orques c'est un peu con, ils vont venir vers nous. Et nos catapultes vont les tirer. Voilà. Bon, je vous dis, il y a un nouveau DLC qui est sorti dessus, un nouveau DLC de faction. C'est-à-dire qu'il va y avoir des nouvelles factions. Je crois que c'est des factions animales. Je ne sais pas si je vais l'acheter. Du coup, je ne sais pas si je vous ferai une vidéo sur ces factions-là. Voilà. Allez, on tire les arbalétriers. Alors on va ralentir le temps. Par contre les armes me font un peu chier. Hop. Voilà, là on a toutes nos unités. Bon déjà regardez, il y a déjà une unité à eux qui va fuir. Bon c'est normal, c'est des gobelins. Ils ont pas une très forte un très bon mental, on va dire. Un très bon commandement. Alors on va bientôt attaquer. Je vois qu'il y en a qui se dirigent vers ma catapulte. C'est pas un problème. Voilà, hop.
Vous avancez ici. Mais très vite, s'il vous plaît. Après, on fera après à l'aime notre général. Bon, déjà, voyez-vous, avec mes archers, ils ont perdu. Leur général a perdu beaucoup de vie. Par contre, je sens que je vais devoir faire reculer mes archers. Parce que mon infanterie n'aura pas le temps. Hop, on va les faire recruter. On va les faire reculer ici. Comme ça. En courant, s'il vous plaît. Voilà. Hop, ici vous allez attaquer ici. Ouais, c'est bon. Puis eux, je vais leur faire. J'hésite à leur faire attaquer le général. Bon, quoique non, eux ils vont très bien s'en occuper. Hop, et là je vais faire charger mes nains. Hop, hop. Allez. Courir là, c'est le moment. Voilà. Comme ça, eux ils protègent. Bon là c'est il y a que des mineurs. Alors voyons voir ce que nous avons. Quand même, eux, ils sont. Ouais non ça va, ils ont pas forcément beaucoup de mal. Est-ce que mes archers peuvent atteindre leurs archers? Oui, parfait. On va quand même un peu les avancer. Par contre ils tirent pas. Voilà, leur général fuit. Pas beaucoup de temps pour que les autres fuient. On va essayer de le tuer. Voilà, du coup on a gagné. Toutes leurs unités ont fui. On va les poursuivre. Bon, ce qui est con, c'est que comme on n'a pas tout simplement de cavalerie, nous ne pourrons pas rattraper les survivants. Sauf pour des petites unités qui courent vite. Bon, voilà, on va terminer la bataille. Et puis, ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En plus, on n'a pas fait un score dégueulasse. On n'a perdu que 69 hommes. Ah ouais, eux, ils en ont tué que 15. Ok. Ça veut dire qu'ils en ont pas tué beaucoup. Ça c'est plus les ceux-là là, qui ont tué 22 qui étaient le plus dangereux. 72 hommes tués ma catapulte. Eh ben. Bon. Ben voilà. Bon j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Pensez à liker, à vous abonner. Et à me laisser un petit commentaire pour vous dire si vous aimez bien ou pas. Bon allez. Au revoir.